Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne. C'est pas faute de vouloir le faire. Juste, vous avez tout suivi ma main, que je me suis fracturé en début d'année. 15 jours à peu près après avoir récupéré ma main, eh bien, j'ai eu un nouvel accident et je me suis fracturé le dos. Fracture au niveau d'une vertèbre, tassement, etc. Pas mal de complications. J'en ai encore pour pas mal de temps. Je prends un traitement plutôt très costaud et ça m'empêche complètement de faire de l'atelier. Je peux pas rester assis très longtemps, je peux pas rester debout très longtemps puisque j'ai pas mal de difficultés à me déplacer. Pourtant, beaucoup de choses ont changé à l'atelier et j'ai hâte d'être de nouveau en forme pour pouvoir en profiter. Allez, je vous présente ça. Donc, une des premières choses à avoir changé à l'atelier, c'est que j'ai reçu ma nouvelle combinée à bois que j'avais commandée il y a pas mal de temps. Donc c'est une Alls Profi, je vous mets le lien en description, comme ça vous verrez, vous pourrez aller voir toutes les caractéristiques. Bon voilà, c'est bien au-dessus en gamme que celle que j'avais avant. Malheureusement, je ne peux pas l'essayer pour le moment puisque j'ai beaucoup trop de vertige et j'ai du mal à tenir debout. Donc, ce serait effectivement beaucoup trop dangereux. Néanmoins, c'est une machine qui est vraiment complète, qui a des accessoires que j'adore déjà. Même si je ne l'ai pas encore testé, j'adore déjà. Donc celle-ci, je vous la présenterai, je vous ferai une vidéo qui présentera la machine, le fonctionnement, les accessoires qui sont géniaux. Mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi reçu du matériel de chez Bosch Pro à tester et à vous montrer, dont une super ponceuse et la scie plongeante. Donc ça, je les avais testés un petit peu avant de me fracturer le dos, mais j'avais pas eu le temps de les tester assez pour vous faire un retour. Néanmoins, je vous ferai peut-être des petites vidéos style vlog pour les présenter aussi, ce qui me permettra à moi aussi de m'occuper un petit peu. J'ai aussi reçu pas mal de serre-joints de deux marques différentes à tester. Donc on a tout d'abord Pierre. Avec des serre-joints et des dormants, et ensuite Besset qui m'a aussi envoyé quelques outils de serrage que je vous présenterai aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vais essayer de faire quelques vlogs. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir refaire du memento pour le moment, du moins en vidéo. Sachez que je ne l'ai pas abandonné du tout et que j'ai hâte de m'y remettre, mais je ne peux pas rester très longtemps concentré sur quelque chose, donc j'ai beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Mais je ne l'abandonne pas et ce sera avec plaisir que je reprendrai dès que ma santé me le permettra. Voilà. Bien écoutez, c'était un court vlog, mais ça permet de faire le point sur ce qui s'est passé, et pourquoi cette longue absence, et sur les nouveautés et sur les prochains vlogs qui parleront outillage dans le goût, machine. Allez, merci, puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !